Bienvenue dans Soup World, épisode 2. Aujourd'hui, on est à Saint-Ost-Robert. On est au-dessus de Paris, proche de Rouen. On est le 1er mai. C'est la quatrième fois que je viens sur ce motocross de Saint-Ost-Robert. Motocross international. Donc, il y a beaucoup de nationalités. On retrouve Max Nagel, Henri Jacobi. Il y a Todd Kellett, Lars Van Berkel, mon ami. Avec Després, avec Tonus qui vient de Suisse et tout. Donc, ça va être chaud. Pour l'instant, on a une météo qui est un petit peu maussade. On est au début de journée, mais j'espère que ça va se lever dans la journée. On est en retard. Mais là, on n'est pas en retard. Pour l'instant, on est à l'heure. Regarde, regarde ça. Écran sale, Armor Vision dessus, pas de tir-off. Bon, JC est de retour. Ouais, mais en fait, c'est un intérim. Il est là. Bonjour, caméra de Julien. Ça a été la route hier. Long, on a eu 10 heures. 9 heures, à peu près. C'est pareil, 10 heures. C'était long, très très long. Non, je t'ai dit pas. Vas-y, dis-moi, je sais ce qui s'est passé, moi. Bon état de forme il y a quelques semaines à Tauvergne. Je dirais pas, ils nous ont mis la pression, on va passer à la deuxième moto, j'ai oublié le transpondeur. Voilà. Oh, et Soub a oublié son bracelet. On pouvait pas passer aussi. Oh, c'est ballot. Ouais. C'est la première de la saison, du c'est coup. Ça, c'est la première. C'est le temps de se remonter. Exactement. Motocross international de Tauvergne, il y a un mois, jour pour jour, c'est Maxime Després, le leader du championnat français. Le motoclub de la plus excellente qualité. T'as le flat tire en front. J'ai crevé devant. On va là. Ah, dernier slippery. Bon, c'est une patinoire, mais j'ai crevé de l'avant. Je sais pas à quel moment parce que. Je savais que je perdais l'avant, mais je croyais que ça venait du terrain. Mais là, vu comme il est décollé le pneu, j'ai crevé il y a un moment. Après, je m'attendais à pire parce que c'est un champ de vaches, c'est de l'herbe, c'est un truc qui est pour les enduristes. Hein. Là, tu mets Peter Germain qui fait les suspensions d'habitude, je suis sûr qu'il me colle 3 secondes. Mais écoute, d'habitude, je me sors toujours dans les chronos ici, dans les 17-20. Après, au chrono, je suis toujours dans les 12-15. Et après, en manche, ça se passe bien. Un peu mieux, on va dire. Dans les 5-7. Mais c'est pas un type de terrain que j'apprécie vraiment, mais c'est une ambiance que j'aime beaucoup aussi. C'est pour ça que je viens jusqu'ici à 1000 km de la maison. Là, je fais quoi? 9, 10? Non, même avant. Hein. 7, je crois. 7. Oui. C'est tendax après entre les manches. Hein. Tu viens d'apprendre une mauvaise nouvelle? Ouais, en fait. Mais je croyais que c'était une super pole qu'il y avait l'année dernière. Donc t'as laissé chrono et il me semblait que c'est une super pole. Et là ça met course à l'américaine de 11h30 à 11h55. Donc ça veut dire qu'il faut mettre beaucoup d'essence pour les essais chrono. Fin de la course américaine 11h55 et 13h55 départ de la manche 1. Il faudra se bouger pour faire des pattes et tout. Peut-être les faire maintenant. Ouais parce que là il n'y a pas Sophia. Non. Solo capitaine. Et non, Sophia n'est pas venue parce que... Le petit il supporte pas très bien les longs trajets, surtout quand on en fait beaucoup d'un coup, tu vois. Et là, il y avait 880 et Paris. je l'ai dit à JC, j'ai dit, t'imagines là, ça bouchonne à Paris et le petit il pleure. Je sers. Comment vous faites? Dis-moi, je te parle. Non, mais c'est de la survie, mais moi, devant tout le jeu, ça va me barrer. Moi, je veux me barrer. Déjà, si j'habite Paris, je suis sûr que je n'aurais pas le permis. Si j'habitais Paris. Je fais métro, RER, vélo. Si t'es dans Paris, ouais. Mais quand t'es en région parisienne, t'es obligé d'avoir la voiture. Ah ouais, mais... C'est les courses à l'américaine après. Tu as expliqué un peu ce que c'est? Ils prennent les 6 premiers. Les 6 premiers, ils font donc les éliminations, c'est 6-4, 6-4-2 et ils font qu'un tour et ils éliminent à chaque fois. Donc ils prennent les 6 meilleurs.
First not qualified. But it's good. Like this, I don't have to stop. Bah, 7 défauts, mais ils en prenaient 6 pour les finales américaines. Donc ça permet d'avoir un peu plus de temps pour faire la moto. Dans le dernier tour, j'étais un petit peu gêné, mais bon, écoute, c'est comme ça. Putain, hein. Jules n'est pas au courant de, du beau poste où on met Canal Plus. Ah oh ouais. Quoi? On a acheté cette chinoiserie. C'est une folie furieuse. Tu mets Canal Plus et tout en roulant. Et du coup, tu peux regarder Canal. Je te jure. T'as regardé le MotoGP en roulant? Ouais. Mais là, t'as vu la taille de l'écran? C'est pas. C'est trop bien. Tu peux me donner le bon tips pour la course aujourd'hui avec. Pour toi? Oui, pour moi. Alors, aussi, c'est quoi? J'ai un tip pour toi. I really have a tip for you, but you need to do it. If you don't do it, I'm not telling you any tips. Okay, anymore. What is the tip? If when it turns 5 seconds, you count 1, 2, 3, and you let go. On three. At three, let go. Anyway. We do it or not? Yeah. Anyway, 17. You don't risk a lot. Qui se pose la question sur les pâtes FCP là? Ça change en fait, la matière est différente des pattes, ça change la rigidité du cadre en fait. Du coup on a un cadre un peu plus souple et on a un meilleur feeling en fait sur tout ce qui est train avant et en fait sur la moto en général. On vire mieux en virage et on a un meilleur feeling avec la moto tout simplement. On a une toute nouvelle ligne Acra qui est ligne de développement sur elle. Sur celle-là c'est les premières qui sont sorties. On doit faire du développement pour Acra dessus. On doit lui mettre des heures voilà, pour l'usure, pour voir les performances qu'elle donne. Et puis voilà, elle a un look plutôt sympa cette ligne. Je sais pas ce que tu en penses toi, Jules. Moi j'adore. Dites-nous dans les commentaires. Voilà, chemin. D'avoir la GoPro pour qu'on voit ce que je subis dans les bouts droits. Je me prends une valise par Guyon en sortie de virage. J'ai pas envie de prendre la moto de course, mais là, j'ai du grave. Hallucinant. Au départ, je suis oh, et là, déjà rien que sur le lâcher de grille, t'entends que ma moto elle va pas. Et après, tu t'es accroché avec Guyon? Ouais, bah, il glisse externe. Il externe. Il fait une erreur, donc il essaie de rentrer dans mon ornière, sauf que j'ai la roue avant et il me tape là, tu vois, il me tape même sur l'arrière, quoi.
Moi au début je tombe, je sais même pas pourquoi, enfin je sais que c'est lui mais... Bon après il est jeune, ça arrive, hein. C'est des erreurs que j'ai fait aussi donc... Tant qu'on est pas, on s'est pas fait mal ça va. Allez, vas-y, viens t'en aller. Tu manges un kebab, tu me filmes? Qu'est-ce que tu fais là, JC? Là, je mange un kebab, là. Non, je viens de... On vient de contrôler l'embrayage, on avait un doute sur l'embrayage. Enfin, Soub avait un doute sur l'embrayage. Je l'ai contrôlé, il est encore bon. Donc, on le remonte, tout simplement. Et hop là, c'est les tiennes, c'est bon. Hein. Des frites. C'est pourquoi ils mangent des frites? Ah, je ne sais pas. Parce que ça donne la patate. Je veux partir une fois dernier, mais pas 15. Alors en fait, quand je suis parti autour de Rocco, j'ai coupé comme ça, je suis allé tout externe voir comment c'était. Ouais, et en fait, ça a glissé vachement. Okay. Bah, je sais pas. Pour ça, je me sentais pas. C'est mis tout externe, je te dis, il est parti comme une fusée. Thank you.
Dans le temps réglementaire plus un tour avant de Cédric Souveras qui se retire. Malheureusement pour le pilote Kawasaki, il était revenu aux portes du top 20, il a commis une nouvelle faute. Une tour en tête, Max Nagel. Il n'aura rien pu faire. Désormais à 7 secondes. J'ai fait de la merde. Grave. J'ai calé au départ, donc mauvaise sortie, les petites modifications qu'on a fait, ça n'a pas fonctionné du tout, la moto elle marche beaucoup mieux. Après j'ai pris le choix de rouler avec la moto d'entraînement, donc je peux m'en prendre qu'à moi-même. Et puis j'ai calé au premier virage, bizarre, j'ai calé très tôt au début du freinage, calé, elle ne repartait pas. Bref, je pars dans les derniers, hein. Enfin, je vais pas dire dernier, mais... Et puis ensuite je remonte pas mal, et une chute, puis deux chutes, puis trois chutes. En fait, le fait que la moto avance pas en roue droit, ben, j'attaque comme un mongolien dans les virages, et puis ça passe ou ça casse, et voilà. Ah, ça m'énerve, parce que je déteste rouler comme ça, et j'avais pris beaucoup de confiance en départ, là. Les 10 derniers départs, j'étais bien sorti, et là ça sort pas avec ce moto. Ça me rend fou. Là, c'est compliqué. Là. T'as réussi ? Tu l'as. Voilà, c'est bon. Mettre des bonnes vis. Des 8 normales. Des 8, voilà, ou du 10. Du 10, étage de 6, c'est bien aussi. 400, c'est Tristan en forme. Qui s'affronte. On a tout plié du coup. Eh ouais, tout. Voilà, c'est comme ça qu'on redresse un radiateur. Là, il est nerf. Là. On refait les radiateurs. Pour l'appeler, hein, je sais pas. Ouais, je demander. T'es chaud pour la dernière manche ? Tranquille. Là, j'y vais vraiment pépère. Là, il n'y a pas du tout des planètes alignées. Enfin, pas sur mal. J'ai le championnat italien et le SX qui est plus important plus loin dans l'année, donc ça ira bien comme ça. Max. Good job, dude. Ah, au moins une, pas mal. Voilà. Fallait surtout pas que je plie le radiateur pour ce week-end, donc... Très bien. Bravo, Sou. Content. Merci. Revenu sur tonus, doublé tonus, revenu sur petit, doublé petit. Max, c'était... Le Després était un niveau au-dessus. Indoublable. Il m'a montré la roue, j'ai fait, vas-y, garçon. Pas de soucis, c'est pour toi. Il est revenu, il a gagné carrément. Et deux ou trois. Donc deux, trois, mais il gagne le général. Il part, ça fait le droit, ouais. Et la ligne droite. Il sautait dans les trous carrément. Ah, voilà, ouais. Comme ça, plan, et il montait direct. Ouais. Non, mais franchement, il montait. Ah, c'est... Ah. Un petit chouchou. On a rangé comme des. Putain, j'allais ranger l'intérieur. Et comme neuf. C'est le premier remake. Hein. Bon, c'est la fin de cet épisode 2 du Subzorb de cette saison 4. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez vu quelques GoPro. Vous m'avez demandé Saint-Ostrobert depuis 2-3 ans que je filme.
Et puis voilà, c'est fait. Merci Julien d'être venu filmer. On se donne rendez-vous sur les SX Estivo. Je vous envoie vite les dates. Je les mettrai peut-être même en fin de vidéo pour vous donner rendez-vous sur ces événements-là. On a besoin de vous sur les terrains. Ne restez pas derrière vos ordinateurs. Recommence. Nous, tu rentres et tout en plus. Ah ouais, putain. C'est pour le making-off. On a besoin de vous sur les terrains. Ne restez pas derrière vos ordinateurs. C'est tout aussi bien d'être présent sur les épreuves. Donc, je vous donne rendez-vous sur les SX Estivo. Et ça va être la folie. Pour moi, le programme Subzord, pour l'instant, il y a deux épisodes. Le troisième, début du SX Tour. Donc voilà, on se donne rendez-vous là-bas.